Suivez-moi pour la recette d'un gâteau de Pâques facile et rapide à réaliser. C'est parti! Alors, je vais juste séparer les blancs des jaunes. Je vais battre les blancs. Ensuite, j'ajouterai une pincée de sel. Pendant que les blancs seront en train de battre, je vais mettre la moitié du sachet de levure avec la farine, je vais tout mélanger. Quand les blancs seront montés en neige, j'ajouterai le sucre. Je battrai encore, puis ensuite j'ajouterai donc les jaunes d'œufs et la farine en dernier pour terminer. Sachant que mon moule est déjà prêt, je l'ai déjà badigeonné d'huile d'olive. Et le four est déjà en train de préchauffer à 180 degrés. C'est parti! Là, je suis trop contente, je l'ai super bien réussi. Elle est super moelleuse, la gélose. Donc là, je vais la couper en deux. Je vais mettre ma ganache chocolat arachide à l'intérieur. Et après, je ferai une couverture chocolat blanc et arachide aussi, avec une petite déco du coup de pâte. C'est parti. Et là, du coup, j'ai plus
Je crois que ça s'appelle une framboisine, si je ne me trompe pas. Le dessous, là, qu'on met, qui est en général doré, les petites plaques dorées, j'en ai plus. Donc, du coup, j'ai utilisé la plaque de mon moule à manquer, qui est un peu plus gros que celui que j'ai utilisé pour cuire ma génoise. Donc, voilà, ça fera très bien à faire. Et du coup, je l'ai mis, voilà, dans ce sens-là pour poser ma génoise et pour que, après, la bordure ne me gêne pas quand j'aurai besoin de couper le gâteau. Voilà. Là, j'évite d'en mettre trop au bord pour éviter que ça ressorte après. Donc, je me remets ma deuxième couche. Je sais même pas si c'était dans ce sens-là, mais là, il y a un petit creux. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ce que je veux éviter que... Ah bah justement, ça, voilà. C'est ça que je veux éviter parce qu'après je vais mettre une couverture de couleur blanche. Je vais éviter que le chocolat plus foncé se voit. Voilà. Bon là c'est plutôt bien. Bon ça je vais mettre au froid pour être sûr que le gâteau sera bien froid. Au moment où je mettrai ma couverture pour que ça puisse figer le plus rapidement possible. Donc je vais mettre ça au frigo. Gotta think about it. Gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it. Gotta dream about it. Gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it. Gotta dream about it.
Et voilà, un joli gâteau de Pâques à personnaliser autant que vous le voudrez et même à réaliser avec vos enfants si ça vous plaît, que vous pourrez décorer aussi à votre guise. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à partager avec moi vos bonnes idées et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.